Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui je vais vous présenter donc ce jeu Exit Path. Donc nous sommes donc sur le deuxième jeu de la saison 2 de l'émission Flash. Exit Path, un excellent jeu codé par un certain John. Son nom réapparaîtra à la fin de du jeu de toute façon. Un excellent jeu, si vous entendez la musique déjà. Waouh quoi. Voilà, rien que ça, déjà, ça vaut le coup. Un très bon jeu. Au niveau du graphisme, c'est du Stickman. Mais vous allez voir que ce qui est important dans ce jeu, c'est l'immersion. Parce qu'on va se retrouver un petit peu dans une histoire super intéressante. Voilà. Donc sponsorisé par Armor Game, ce jeu, il y a un mode solo qu'on va faire entièrement ensemble. Et un mode multijoueur, je vous mettrai 5 minutes de gameplay multijoueur à la fin de cette vidéo pour vous montrer que là aussi, c'est très très intéressant. Donc ce jeu, franchement, je vois très peu de défauts, mis à part parfois sa difficulté, mais même... on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Ok. Donc alors, pour se diriger, donc les touches droite et gauche, moi j'utiliserai ça, sinon c'est A et D parce que c'est des claviers américains. Donc on se retrouve un petit peu dans un univers un petit peu, si vous êtes familiarisé avec Portal. Voilà, il y a comment, on se retrouve dans une chambre et puis on va... Alors j'ai déjà récupéré quelques panneaux d'exclamation là, mais si vous en voyez, vous allez les prendre. Voilà, on voit le saut. Alors c'est simple, en fait, si on appuie très rapidement sur le haut, en fait, on saute un peu. Et si on maintient le haut, on va assez haut, en fait. Ben, voilà quoi. Donc on n'a pas de double saut, mais on a... Voilà. Et là, on voit tout de suite le deuxième... l'espèce, c'est le... Comment ? Donc c'est l'accélération. Voilà, donc on retrouve bien les panneaux un petit peu l'univers de Portal. Donc on se retrouve dans des épreuves comme ça à faire. Et au bout d'un moment on va donc simplement s'échapper. N'importe quoi. Ok. J'essayais de la voir ce truc là-bas là parce que... Non, bon. Nope. D'accord, c'est là-bas qu'on l'a. Mais... Crody ! Ok, je l'ai. Évidemment. Bon bah là, c'est n'importe quoi. Ah ! Ok, donc voilà, donc là on a fini les épreuves. Attention, surviving winner. Je sais plus. Alors j'ai pas lu les panneaux, mais. Alors voilà, donc soit on pouvait aller dans le Freedom, soit à l'audit.
Évidemment, donc on va forcément vers l'audit. Et donc l'audit, ce sont simplement d'autres épreuves. Donc voilà, donc on retrouve bien les salles blanches à l'univers de Portal, hein. Alors ce coup-ci, j'ai essayé d'aller. Ah! Je disais aussi. Ce saut, ce. Ah! Je l'avais presque! Allez, voilà. Hop, checkpoint. Donc vous avez vu, hein, les drapeaux, donc ce sont des checkpoints, hein, tout simplement. Donc voilà, donc le jeu, franchement, nickel quoi. Le gameplay est simple, c'est un jeu de plateforme, mais assez hardcore, avec un univers qui est très proche. Donc si vous êtes un joueur. Ok, là il y a eu un glitch, hein, j'étais censé mourir, hein. Bon, tant pis. Oh, c'est vrai. Alors, premier défaut du jeu, le personnage Savonnette. Ça, il va vous agacer ce perso pour ça. C'est qu'il est difficilement contrôlable. Oh non. Bon, bah là, c'est n'importe nawak. Bon. MDJ, MDJ. Ah, fais un peu. Je pouvais pas faire. Vous avez vu, enfin, comment? Vous verrez plus tard parce que vous avez vu, ça fait une. Alors là, j'ai décollé. Tout va bien? J'ai décollé là. Ok. Test 3 sur 4. Oh non! Comment j'ai pu mourir ici, moi? Donc je vais pas réellement attention au panneau, hein, mais. Mais voilà, c'est juste. What? Non, 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 c'est pas là que je vais aller, c'est là. Ah ouais, mais attendez, hop, voilà. Voilà. Alors attendez que je dise pas de bêtises. C'est ça, je vais par là, là je cours, là je saute et j'arrive. Les lasers. Comment faire encore plus vache qu'un jeu qui veut pas votre mort? Et là on trace. On pose pas de questions. Ok, merci pour votre participation. Ouais, bien sûr. Ouais, hop. Donc là, on voit un panneau Freedom, donc on se dit génial, c'est là, on a fini le jeu. Et là, un petit peu comme à la Portal, enfin ouais, à la Portal, on retrouve bien donc hein, l'univers un petit peu avec The cake is a lie, la fameuse phrase notée, griffée sur les murs. Donc là, on se retrouve avec There is no freedom en rouge sang. Et vraiment, en effet, si on avait suivi la route, hein, et ben on allait droit à notre mort. Voilà. Qu'est-ce qui m'a tué là? Ah oui, d'accord, oui. J'ai pas vu la roue. Ok. Pourtant, difficile de la rater celle-là. Oh, MDJ, qu'est-ce que tu fais? Allez! Voilà, quand même. D'habitude, tu gères. Ah, c'est bien ce niveau. Ah, je crois pas. Oh. Yes. Ok, et là on est sorti donc de du complexe. Hop. Celui-là, il est assez simple à avoir, on va peut-être quand même le prendre. Oh, et oh, le checkpoint là, facile à prendre pourtant celui-là.
Voilà. Celui-là, pareil. Alors attendez, parce que là, ce coup-ci, je prends celui-là, voilà. On est obligé de mourir hein, en le prenant, mais lors de ma partie précédente, je l'avais pas pris. Ça apporte pas grand-chose, hein, les panneaux, mais voilà, quoi. Alors, ce moment est chiant, je vous préviens tout de suite. J'ai certainement galéré à le faire. Mais voilà, les haches sont assez asynchrones. Allez, saute sur le coin. Voilà. Je suis n'importe quoi là. Une autre technique consiste à y aller à la YOLO. Hein, un petit peu comme je fais là. Mais bon. Pas très. Ça passe, hein. Au bout d'un moment ça va passer, mais. C'est quand ça veut, quoi. Yes! Voilà. Comme dirait là, tu la sens ma grosse intelligence! Ah! Donc là, surtout, faut garder son sang-froid, hein? Ah non, je me suis trompé. Bon. Ah. Oh non, mais c'est pas possible. Allez. Hop. Mauvais moment. Allez, c'est là. Hein? Qu'est-ce qui m'a tué là? Mais c'est pas possible. Allez. Oh, tant pis. J'ai raté le checkpoint, j'y crois pas. Oh. Je l'avais. La vaisselle! Oui! Bon, là je bourrine, hein. J'essaie d'y aller. Et ce niveau est assez long. C'est bon, je suis passé. Wouhou! Ok. City limite. Ok, on est dans les derniers tableaux. Évidemment, vous sentez que ça va pas être marrant. Ah ! Non ! Youpoupou ! Et bon. Oh non ! Alors là, je sais pas où je vais, mais bon, voilà. Là, hop. Ok, d'accord, ouais, logique. Alors là, ici, c'est assez hardcore aussi. Ok, en fait, là, faut pas courir. Je vais sauter au bon moment. Tant que ça retombe. Voilà. On l'a. Non. Oh. Oui, non. Bon. Vous avez vu vous avez vu le principe, hein. Je vais là, et là, je retourne dans le téléporteur. Nickel. Et là, il faut aller très très vite.
Ok, ce niveau-là, il peut paraître assez simple et pourtant il n'est pas si évident que ça. Passe. On saute là. Ah, bah pour une fois que je passe, nickel. Et là, si je le passe du premier coup, je pète un câble. Ouais, bah voilà, c'était trop beau. Oh, dommage! Oh, oh bon là. Ça s'est fait. J'aime bien, c'est les morceaux de jambes qui retombent. Enfin, qui remontent et qui retombent. Mais non! Je vais pas aller en arrière! Et c'est ce petit mouvement là de savonnette là qui est méga agaçant aussi. Non! Oh, le tapis en arrière qui vous fait reculer quoi. Non, allez, j'ai sauté là. Le même trou, hein. Ah! Bon, bah, ok. Allez, concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Oui! M'en fous, j'ai eu le checkpoint. Voilà. Bon, là. Ah oui! Bon. Non, là, c'est foutu. Allez. Ah, dommage! Oui. Allez, là, d'habitude, j'y arrive assez bien. Dommage. D'habitude, hein, j'y arrive assez bien. Oui! Non! Non! Oh dommage. Ah j'avais le checkpoint et il l'a pas accepté. Oh non, j'ai fait un petit saut au milieu d'un grand saut. Allez. Là, la même chose. Allez, un petit saut. Un petit saut. Là, un grand saut. Voilà. Et là, je prends le checkpoint. Ok, nickel. Ok. Non, non, non plus, non plus, allez, allez. Bon là je passe, hein. Au bout d'un moment ça passe. Attendez. Vous avez vu qu'à chaque fois, donc à chaque fois qu'on meurt, hein, il affiche Rewind Life, donc ça va assez vite et puis en fait il remonte la vidéo à l'envers. Ouais, bon là je suis passé, je sais pas comment. Allez, checkpoint, nickel. Allez, et puis là on court pour sa vie. Hop. Donc là on s'arrête simplement là, on court et on y va. Ok. Non! Voilà. Donc ici c'est le dernier niveau et c'est le plus chiant. Parce que parfois ils considèrent que vous êtes mort alors que vous avez tout bien fait. C'est bon. Yes! Voilà, puis à la fin il affiche une phrase de Voltaire que j'ai pas traduite, mais bon. Man is free at the moment we shield to be. Ok. Excusez mon anglais. Bon. Voilà, donc merci pour avoir terminé le mode simple joueur. Le programmeur et le art design, c'est John Coney. Les sons sont de. Enfin, donc la musique qui est géniale, est de Chris Branscon, production Armor Game. Donc franchement, bravo les mecs, vous êtes très talentueux.
Les bêta testeurs, vous pouvez rajouter MDG de Normandie à la liste maintenant, mais voilà. Il y a eu énormément de joueurs. Ah, on voit Your Name dans... Là, là. Bon. Voilà, les remerciements spéciaux. Merci à vous pour votre participation. On a notre temps et notre rang. Pretty fair job. Job c'est le travail. Faire, je vois pas. Pretty c'est beau. Bon travail, je veux dire, bon boulot, ça doit être ça. Bon. Voilà, bon, le jeu essaie d'accéder à Armor Game, mais vu que je suis sur SF Opener, je ne peux pas. Voilà, bon, donc, écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, déjà, enfin, non, on va se retrouver pour une petite partie en multijoueur. Je voulais juste faire un résumé du jeu. Donc, le son est génial de ce jeu. La difficulté y est pour passer les niveaux, mais les checkpoints sont suffisamment nombreux pour pas que le jeu ne soit frustrant. Au niveau des graphismes, c'est du Stickman, donc ça reste simple, mais les arrière-plans et puis surtout l'ambiance dans laquelle on est projeté est assez intéressant. Le gameplay, c'est de la plateforme de Stickman, mais moi j'adore ce jeu, je sais pas, je peux pas vous dire plus, pour moi c'est un excellent jeu. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de l'essayer et de peut-être faire un meilleur temps que moi, qui est de 17 minutes et 49 secondes. Donc voilà, donc on se retrouve sur... donc étant donné que je dois me connecter à Armor Game pour pouvoir jouer en multijoueur. Alors oui, l'inconvénient du multijoueur, c'est que pour y jouer, il faut être connecté à Armor Game. Il faut avoir un compte Armor Game, qui est gratuit, hein. Mais pour y jouer, voilà. Donc on se retrouve Oula, excusez-moi. On se retrouve dans un instant dans le mode multiplayer. A tout de suite. Voilà, donc nous nous retrouvons donc sur le mode multijoueur. Donc je suis niveau 6. On va atteindre le niveau 7 ensemble. Vous allez voir que c'est assez sympa. Alors on peut customiser donc notre joueur. J'ai pas tout débloqué. Je sais pas trop comment on débloque tout. Mais voilà. On a des trucs assez sympas. Mais bon, voilà. Bon, ça, c'est un petit truc. Donc, il y en a beaucoup qui se sont customisés. Hein. Ok, donc, simplement, donc on a un système de matchmaking. Évidemment, donc, on a... on va attendre. Donc, parfois, ça peut être assez long. Il y a toujours des joueurs reconnectés, hein, mais... Je sais pas pourquoi il marque toujours 1 sur 5. Fin... Vous allez voir que le multijoueur est également très intéressant. On évolue assez vite hein, dans ce. Non, ça peut être un petit peu long, hein, mais on va aller jusqu'au niveau 7 ensemble. C'est normal, hein, faut pas être pressé de jouer, hein, par contre, au multijoueur. Je n'ai pas testé le multijoueur. Ah oui, il existe un Exit Path 2. Que je vous présenterai dans une émission prochaine. Voilà. Et donc il est c'est le même jeu mais amélioré. Oula, on a un niveau 39 avec nous quand même. Lui, à mon avis, il va nous pulvériser. Ok. 2 secondes et c'est parti. Ok, on tombe pas sur un des meilleurs niveaux. Voilà, et simplement, donc là, c'est simplement à qui va le plus vite. Donc, on retrouve un petit peu un niveau de... Un niveau du...
Ah bah dis donc, j'ai battu la top. Par contre là, ouais, hein, Gastipo, c'est le... C'est celui qui était niveau 30 et quelques là. C'est bizarre qu'ils ont guest devant leur nom. À mon avis, ça doit plutôt être des joueurs enregistrés, je sais pas. Alors on peut comment allouer des points, enfin des ouais des cudos. Moi souvent je donne aux plus faibles, comme ça. Bon. Et galère. Non. Je me suis fait gratter. Ouais. Bon, quand un joueur atteint la ligne d'arrivée, hein, au bout de... On a 10 secondes pour finir le jeu, sinon, bah, tant pis, quoi. Ouais, 5 secondes, voilà, c'est même pas la peine. Il y a des niveaux comme ça que j'ai jamais réussi à finir. Hein. Mais bon. J'ai l'impression qu'on peut entendre les joueurs, je sais pas. Non. Bon. Ok, on est que deux, bon, pourquoi pas. Bon, ok. Hein. Oh, ça c'est pas vrai. C'est quoi ce niveau? J'ai jamais vu ce niveau, hein. Oh, c'est pas vrai. Oh, truc de fou. Ok, alors là, on passe en dessous. Ok. Donc vous avez vu que le... Voilà, l'avantage du multiplayer, c'est ça, c'est qu'on rencontre d'autres joueurs. J'ai quand même le féliciter. Eh ben, on est près du niveau 7. On s'en retrouvera au niveau 7, hein, de toute façon. Waiting for more players. Ok, d'accord. Ok, pour le moment ça s'annonce plutôt bien.
Ok, nickel. Là, je sais pas où il est parti, mais... D'accord, il est là. Niveau 7. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite séance de gameplay vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer à... Comment ? À Exit Path. Peut-être qu'un jour, on pourrait se retrouver sur le mode multijoueur, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, donc en... Sur ce, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un petit pouce vert si c'est le cas. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt.